Hey, alors laissez-moi vous expliquer. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par les créateurs et développeurs d'une application de lecture interactive slash jeu, parce que c'est un peu les deux en même temps en fait. Et ils m'ont proposé de tester cette dernière. Cette vidéo est donc en partenariat mais non rémunérée. Quand on me l'a proposé sur le coup, j'étais... Ouais, je sais pas. Parce que j'en avais déjà fait une il n'y a pas longtemps, vous savez, j'avais testé l'application Reddiction. Sauf que... Comment dire, j'ai lu le résumé de leur histoire. Ça se passe au 19e siècle et franchement, ça a l'air super cool. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on teste ça ensemble. Je n'ai pas encore ouvert l'application. Si vous le voulez, bah on va découvrir ça. Par contre, je tiens à le dire tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus si jamais vous suivez mes let's play entre guillemets, je ne pourrai pas faire le jeu en entier. J'ai posé la question pour être sûre. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par les créateurs et développeurs d'une application de lecture interactive slash jeu, parce que c'est un peu les deux en même temps en fait. Deux gros jeux qui doivent sortir et... Je les attends de pied ferme, voire même trois peut-être. S'ils sortent en temps et en heure, je pense que ça lancera quelques let's play sur cette chaîne. Enfin bref, il est grand temps qu'on découvre Chroniric 19. Je me charge de mes lunettes anti-lumière bleue et ouh, c'est parti. Je ne sais pas si vous entendrez le son en vidéo, mais c'est trop stylé. À vous qui entrez en possession de votre arcane, félicitations. Puissiez-vous honorer de vos actes l'histoire écrite par les scribes. Signé Maître Papus, je ne sais pas quoi. Ah d'accord, c'est pour apprendre à jouer au jeu en ligne, d'accord. Ah j'adore les bruits de mécanique. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, c'est un jeu à l'ambiance steampunk. C'est vrai que j'aurais dû le dire dès le début. Positionnez votre arcane à 30 cm de votre visage, écran tourné vers vous. Inclinez-le à 45 degrés et pressez le choix. What the fuck? J'imagine que l'arcane en question, c'est mon téléphone, du coup. Jusqu'ici, tout va bien. Il fait nuit. Je suis sous un ciel riveté d'étoiles. Vos scientifiques expliquent que lorsque nous regardons l'étoile de la constellation du Pan, nous la voyons comme elle était il y a 20 ans. Cette étoile, Delta Pavonis, se situe à 20 années-lumière de nous. Je vais demander, ça fait partie du test? Dans les parages, quelqu'un qui disposerait d'un télescope assez puissant, s'il se pointait ici, me verrait naître. Il verrait naître Albert Einstein. Il verrait Thomas Edison créer la General Electric Company. Il verrait des empires s'effondrer, des batailles éclater. Problème détecté. Levez les yeux. Dans la lumière d'étoiles, vous baignez dans le temps. Vous voyez le passé, vous me voyez. Chronocode inconnu. Dans cette lumière, il y a l'histoire. L'arcane que vous avez en main parcourt ce flux de lumière. Comme vous l'apprendrez bientôt, dépasser la lumière, c'est remonter le temps. Oh! Oh! Assurons-nous que votre histoire est bien celle qui a été prévue par les scribes. Procédure de sécurité, coupure du signal. Recalibrage en cours, étoile cible Archernar, constellation de l'Éridan, contact Paris 1899. Initialisation, tentative de communication en cours, écho 19, répondez, tempus fugit, répondez, bien reçu. Reçu. Mais la communication est mauvaise. Rejoignez votre caisson de synchronisation temporelle. Oui, en effet, c'est très mauvais, ça fait flipper. Initialisation dans 15 secondes. Information, maîtrise du temps réel. Il peut s'écouler un laps de temps entre deux communications. Comment ça gère? Le mode normal est enclenché par défaut. Pour basculer en mode rapide, rendez-vous dans les paramètres. Ok... Je suis un peu perplexe pour le moment. Votre chronocode a été partagé avec Echo 19. Vous êtes en communication. Echo 19, bu trop de thé. Délicieux ce thé. Alors, trop bu. Envie maintenant, évidemment. Eh, ça diffuse. On dirait bien. C'est parti. Tempus fugit. Ici Echo 19, 99 degrés, 10 de machin, 27 machin. Pour relever de synchronisation, répondez... Allô? J'ai réussi, nos chronocodes sont échangés, enfin, mon mentor va apprécier. Mais au fait, vous avez dit allô? Comment ça allô? Qu'est-ce que ça veut dire allô? Suivez la procédure, je vous prie. La procédure? Je la suivrai si je la connaissais. Vous êtes nouveau alors. Et pas au point, ça reste entre nous. Entre Echo, il faut se serrer les coudes, pas vrai? Mais votre mentor le saura. Ils le savent toujours. Où l'ai-je mis cette procédure? Ah, la voilà. Reprenons. La procédure est simple. Je dis tempus fugit et vous complétez le mot de passe. Nous enchaînerons ensuite sur le questionnaire. Dans 10 minutes tout au plus, nous en aurons fini. Donc,
Tempus fugit. J'ai envie de mettre moi le latin. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais dire. Du coup, j'ai dit verba volant. Très bien, et je réponds scripta manent. J'adore, j'ai mis la bonne réponse en me gourant. Parfait. Le temps fuit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Parfait, je vous envoie le questionnaire pour effectuer le relevé de synchro. Profil Echo 20 en cours de mise à jour. Honnêteté dans les réponses, correct. Impression laissée sur Echo 19, indécise. Étrange, l'œil de mon arcane vient de s'allumer. Il est jaune. J'ignore ce que ça signifie. Ce n'est pas tout. Vos coordonnées sont en cours d'affichage et j'ai un doute affreux. Vous vous situez bien sur la coordonnée 20. Pas que je sache, vous me croirez si je vous disais oui. Oui, assurément, c'est quoi l'arcane? Je vais mettre pas que je sache. Vous n'êtes pas le scribe Echo 20? Comment est-ce possible? Une erreur de coordonnées ou... Vous n'êtes pas censé avoir reçu ce message? Je vais tâcher d'éclaircir ça. Je vous recontacte dans 2 minutes. Communication en attente. Ok, j'attends. Ça me fait limite flipper quand même, hein. C'est le chapitre 1, ça, c'est ça? Oui, je regarde les paramètres en attendant, et alors? Plus de jeux chroniques, ah, ils en ont fait d'autres. C'est quoi, accomplissement? D'accord. Des récompenses, forcément. En tout cas, pour l'instant, je trouve ça assez drôle. Un peu flippant aussi. Et clairement, j'ai jamais joué à un jeu comme ça, ça c'est sûr. Ah. Bon, vous avez joué franc jeu jusqu'ici. À mon tour. Ok. Pour une raison inconnue, votre arcane a intercepté une communication qui ne vous était pas destinée. Première fois que ça m'arrive. Je vais simplement clôturer la procédure en vous remettant un relevé de synchronisation. Remplissez-le avec la même honnêteté qui a guidé vos réponses jusqu'ici. Ensuite, soyez aimable, restez discret sur cette affaire. Loi du temps numéro 2. Remonter le temps permet de changer l'histoire. Relevé de synchronisation, script Echo 20, coordonnées temporelles erronées, chronologie alternative détectée. Question 1 sur 3. En quelle année les tours Vardenclyffe seront-elles édifiées? Le jeu se passant en 1800 et quelques, j'ai envie de mettre 1901 du coup. En quelle année le réseau ionosphérique sera-t-il déployé autour du globe? 1907, on va aller dans la continuité. Qui sera prix Nobel de la paix en 1919? Oh là 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 là. Aucune idée, je vous le dis franchement. Allez, Woodrow Wilson. Probabilité de divergence temporelle, 89%. C'est encore moi. J'ai reçu votre relevé. Woodrow Wilson, prix Nobel en 1919. Oups. Besoin que vous me confirmiez votre chronocode. Anomalie détectée. Probabilité de divergence, 95%. J'ai donc une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle souhaitez-vous commencer? Allez, la mauvaise. Mon arcane affiche ce message. Anomalie détectée. Oui, nous aussi. Tout porte à croire qu'il y a une divergence entre le dessin des scribes et les événements advenus à votre époque. Une divergence... Quoi? Je ne comprends pas tout. Vas-y, je vais mettre... Je ne comprends pas tout. Alors, soyez plus attentifs. Bam! Dans tes dents. La bonne nouvelle, mon relevé est correct. Je m'en féliciterais s'il n'y avait pas cette histoire de divergence. Nous aurions gagné du temps si vous m'aviez informé de la situation plus rapidement. J'ai interféré dans votre présence suffisamment longtemps pour modifier votre réalité. Restez à portée, je pourrais avoir besoin de vous malgré tout. Enfin, il y a une très mauvaise nouvelle. Vous connaissez notre mot de passe, sans être des nôtres. Attention, chacun de vos choix impactera nos deux vies. Agissez toujours en ayant cette vérité toute simple en tête. Fin de communication, profil Echo 20 terminé. Impression laissée auprès de l'Echo 19 indécise. Vous avez donné le bon mot de passe sans être scribe. Diagnostic, se croire rusé. Renommage effectué. Bienvenue parmi nous, Echo 21. Profil Echo 21, Roublard. Impact sur le 21e siècle, 0,00001%. Vous êtes Echo 21 à présent? Au 21e siècle? D'accord. Là où vous êtes au 21e siècle, vous me recevez? Comment dire? Je suis coincée dans mon caisson de synchronisation temporelle, voilà. Et la seule coordonnée que j'arrive à contacter, c'est la vôtre. L'ironie du sort, sans doute. J'adore la réponse du milieu, c'est très drôle. Je vous reçois, Echo 19. Parfait, passons à autre chose. Évitons surtout de nous fourvoyer comme la dernière fois. Lorsque la communication est mauvaise entre deux échos, ils entrent tous deux dans leur caisson de synchronisation. Le caisson augmente le signal, c'est le protocole. Le caisson augmente le signal, c'est clair. Dès que j'ai eu votre contact, je vous ai demandé si vous étiez d'accord pour rejoindre votre caisson. Et vous m'avez répondu oui. Ah bon? La communication était très mauvaise. Oh, doucement, mon ami. Mon arcane a chronographié notre dernier échange depuis le chronocode initial. Je retrouve ça. Ah, voilà. Vous m'avez répondu, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, bien reçu.
sans même savoir de quoi nous parlions. Et me voilà bloqué dans mon caisson. Si ça se trouve, c'est peut-être à cause de cette erreur. Mon caisson s'est coincé parce que le vôtre n'est pas activé ou... Non. Je ne sais pas. Je trouverais presque ça drôle si je n'étais pas autant à l'étroit et si... pressée. Profitons-en et assurons-nous que la liaison fonctionne correctement. Pour éviter tout malentendu. Vous pouvez patienter 30 secondes. Communication en attente. Oui, bah je peux patienter. Hein. La communication semble bonne. Simple précaution, faites un relevé de chronocode au cas où. Le mien est blablabla. Et aussi, vous avez bien accès à mon inventaire ? Dès que je glisse un objet dans la sacoche, vous le verrez apparaître. Pour peu que nos arcanes se synchronisent. Il y a les objets en haut à gauche, faites voir. Qu'est-ce que c'est ? Arcane 0. Grande comme une carte de tarot, cette lame de verre permet de communiquer à travers le temps. D'accord, c'est ça une arcane. Pas mal ! Bien imaginé. De mémoire, il y a mon arcane et mon multi-outil. Exact. Je ne vois pas le multi-outil, effectivement. En effet, il était dans ma poche. Petit oubli, voilà qui est corrigé. Parfait. Il ressemble à quoi ce caisson ? C'est un caisson genre parallélépipède assez grand pour contenir un corps. Oula ! Vous voyez, je sais être drôle moi aussi. C'est un caisson genre sarcophage égyptien. J'y suis allongée. J'ai juste assez de place pour porter mon arcane au niveau de mon visage. Ça éclaire un peu. Pas grand chose à voir de toute façon. Ah la pauvre, elle est coincée dans une espèce de sarcophage. Je visualise. Vous visualisez donc aussi la situation délicate dans laquelle je me trouve. Je vous ai dit être enfermée. C'est pire que ça, je commence à manquer d'air. J'aimerais sortir d'ici au plus vite. Hein. J'ai du mal à respirer. Possible de soulever le couvercle du sarcophage ? J'imagine qu'elle a déjà essayé, mais bon. Pas assez de force dans les bras. Ok, en poussant avec les pieds ? Aïe, crampe ! Ouh, pas sûr que c'était la meilleure chose à faire. 3, 2, 1... Oula, 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 qu'est-ce qui se passe ? Echo 19 n'aimait plus. Cause du décès, asphyxie. Oh non ! Votre histoire ne s'arrête pas là. En tant que Echo, vous avez la possibilité de reprendre contact avec Echo 19. Recommencez et modifiez son histoire, et la vôtre. Echo 21, confirmez-vous le déclenchement de la boucle temporelle ? Oh là là, ça veut dire que j'ai fail mes dialogues ? On va mettre la boucle temporelle, hein. Waouh ! Ah, il y a plus de réponses cette fois. Bon, on va plus dire de pousser vu que ça marche pas. Et vous ne voyez aucune ouverture ? Aucune lumière ne filtre de l'extérieur. Je distingue à peine l'intérieur du caisson à la lueur de mon arcane. Reprends mon souffle. Voir l'intérieur de ce caisson, c'est possible. On va mettre ça, on va pas dire courage. Je n'ai plus les idées très claires. Le manque d'air, je crois. Répétez. Il y a bien un interstice, là où le couvercle et le coffre du sarcophage se rejoignent. D'accord. Je peine à respirer. La pierre est lisse, mais je sens un interstice à peine perceptible, mais il est bien là. J'en sais rien, moi, j'y connais rien. Allez, brisez le sarcophage avec votre multi-outil. Ah non, elle me l'a donné, c'est pas possible. Servez-vous de votre arcane pour faire levier sur le couvercle. Je sais pas, moi, meuf. Ça pourrait être drôle. Mortellement drôle. Ce couvercle est lourd, mais j'essaye. Comment je me sens mal, je me sens impuissante. Ça y est, le couvercle, il a l'air de bouger un peu. Rudement solide. Avait entendu ? Qu'est-ce qu'a craqué ? 3, 2, 1. J'espère que je l'ai sauvé. Communication perdue. Echo 19 n'aimait plus. Cause du décès, hémorragie. Hémorragie ? Hémorragie, comment ça se fait ? Ce jeu me laisse perplexe, c'est très bizarre. J'ai encore des choix différents à faire, ça c'est assez sympa je trouve. Bon bah appeler quelqu'un à la rescousse, hein, puisqu'il n'y a aucune des deux autres qui marche a priori. Non. C'est comme si je savais que c'était inutile. Aucune lumière ne filtre de l'extérieur. Je distingue à peine l'intérieur du caisson et la lueur de mon arcane. Je reprends mon souffle. Et on va proposer le multi-outil, je sais pas. Ah, s'en servir comme d'un marteau. Mais c'est mon multi-outil que je risque de casser. Avez-vous le choix ? Vous avez raison. Au point où j'en suis... Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Moi, je trouve ça sympa. Mais... Ah, elle est revenue. J'y suis parvenue, je sens un filet d'air. Ah, ça fait plaisir. Je respire. Solide ce multi-outil. J'ai bien cru qu'il allait se briser, ou que mes doigts se briseraient avant lui. Un bout de couvercle a volé en éclats. Quelques tout petits centimètres de pierre, mais suffisant pour respirer. Qui que vous soyez, merci. Ah, enfin, on l'a sauvé. La pauvre. Vous pouvez compter sur moi, Echo 19. Bon, ça fait un peu trop, je m'emballe, mais bon, la pauvre avec ce qu'elle vient de vivre. Dire que vous venez de me sauver la vie et que vous m'appelez Echo 19. Vous ne savez rien de moi. Permettez, je... Dites, je sais que nous ne devrions pas avoir cette conversation.
Hé, hey, nous ne sommes même pas censés avoir une conversation. Satané protocole, satané procédure. Si j'osais, je... Non. J'ai besoin de quelques minutes pour reprendre mon souffle et mes esprits. Faisons un câlin à Koda en attendant, parce que j'ai froid. Ah, ça y est. Bien. Quand on peut respirer, tout est tout de suite plus simple. À hauteur de mon... Oula. À hauteur de mon visage, je vois des hiéroglyphes égyptiens. Il y a une sorte de... Comment appelle-t-on ça ? Ah oui, c'est un cartouche, mais creux. Je vous envoie une photographie. Homme à tête de faucon, un autre à tête de chien, ça vous dit quelque chose ? Ce sont des dieux égyptiens. Ils sont de part et d'autre d'un sarcophage ouvert. Je parie que ces hiéroglyphes indiquent comment ouvrir le sarcophage. Je ne l'ai encore jamais fait, mais je crois que mon arcane peut traduire des inscriptions de ce genre. Tous les écrits des scribes de toutes les époques sont accessibles aux autres scribes. J'essaye. J'ai réussi à... Pour ouvrir la tombe, prononce le nom de l'ennemi d'Horus. Oh là là, faut que je révise la mythologie, moi, j'en sais rien. Fais offrande de ton œil à Horus et attends le jugement des dieux. Pouvez-vous vous renseigner sur le sujet ? Mes cours de mythologie égyptienne remontent à quelques années, mais je pense pour... Anubis, c'est vous. Je vais aller vérifier sur internet. J'arrive, mademoiselle, bougez pas. Oui, je suis sur Wikipédia, hein, c'est bon. Hein. Ah, Horus forme avec Seth un binôme divin caractérisé par la rivalité, chacun blessant l'autre. De cet affrontement est issu Thoth, le dieu lunaire considéré comme leur fils commun. C'est Seth, du coup ? J'essaye ça. L'ennemi d'Horus est Seth. Oh ! Je vois des points lumineux. On dirait une galaxie miniature avec en son centre un soleil. De ce soleil brille une lumière qui coule en une ligne incandescente. Tout le tour du sarcophage, il s'ouvre ! Ah ! Non, zut ! Oh mais, j'oubliais mon œil, offrande. Quoi que ça puisse vouloir dire, je n'aime pas ça. Tu m'étonnes. Approchez votre œil du cartouche. Ouais, je te dirais ça, moi, plutôt. Oh là, je ne vais pas risquer des parties de mon anatomie dans ce bidule bourré de magie égyptienne. Vous y êtes jusqu'au cou dans le bidule magique. C'est pas faux. Mais c'est facile pour vous. N'êtes même pas dans votre caisson. Et si des lames perforaient les yeux ? C'est vrai. Mon mentor m'a déjà parlé de la sphère qui s'allume parfois sur nos arcanes. Il appelait ça l'œil. Confirmation, le mentor Siliani me nommait œil, mais aussi la sphère, le contempteur et boule de pu. Tiens, la sphère de mon arcane est rouge. La vôtre l'est-elle aussi ? Effectivement. C'est étrange, j'ai le sentiment que nos arcanes sont reliées. Vous pensez à la même chose que moi ? Apposez l'œil de votre arcane dans la cartouche. À quelques centimètres, il m'a presque échappé des mains, comme aimanté, et s'est logé parfaitement dans le creux. Tout à coup, c'est comme si l'air était devenu plus lourd. J'entends comme un vrombissement. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? La sphère de mon arcane s'est logée dans l'œil du dieu Horus. Arcane rouge, lune rouge, l'œil d'Horus blessé par Seth saigne. Tout est rouge et je saigne aussi. Oula. Le sarcophage s'ouvre. Elle va enfin sortir de là. Eh, vous connaissez pas Caroline ? Elle est trop mignonne, c'est ma torture, regardez. Ah, mais laisse-moi représenter Caroline, attends 2 secondes. Hein. Regarde, elle est trop chou, non ? Je suis sortie. J'ai pris une grande bouffée d'air. T'as bien raison, ma grande. Je peux vous assurer que je ne suis pas prête de remettre les pieds dans un musée. Ah, en fait, on était dans la nuit au musée, fallait dire dès le début. Mon caisson de synchronisation temporelle est un sarcophage égyptien. Et où trouve-t-on des sarcophages égyptiens en plein Paris ? Je suis déjà allée au Louvre, mais c'était il y a longtemps, je me rappelle plus s'il y a des sarcophages. Au musée de l'homme, je connais pas du tout, mais bon. Je ne connais pas ce musée. Eh ben moi non plus, figure-toi, ça se trouve, il n'existait même pas. Non, je parlais du Louvre. Écoutez, je... Il y a un papillon dans ma chambre ! Oh, il est énorme ! Il y a un papillon dans ma chambre, il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas ce qu'il fait là. Bon, j'ai flippé les gars. Wouh ! Il y avait un monarque dans ma chambre. C'est le papillon qui est gros comme ta main, quoi. Oui, j'ai peur des papillons. J'y peux rien, ok ? Chacun ses problèmes. Un papillon de loin, comme ça, dans la nature, je m'en fiche, tu vois. Mais qui viennent vers moi, et prêt, surtout quand il est gros. Sans vous, je serais encore dans cette tombe. Merci, Echo 21. Ça arrive souvent qu'un écho reste coincé dans un caisson ? Pas à ma connaissance. Écoutez, je vais déroger à la règle, mais cessez de m'appeler Echo. Pour vous, ce sera Lily. Simplement Lily. Oh, c'est mignon. Dans les cas d'urgence, nous sommes censés contacter nos mentors. Le problème, c'est que je n'arrive pas à contacter aucune autre coordonnée que la vôtre. Ok, et ensuite ? Je vous envoie son adresse, et en retour, vous me ferez une faveur. Monsieur Siliani, numéro 10, rue Flamel, Paris. Ah, mais je la connais, la rue Flamel, en plus, à Paris. J'allais quitter le quartier du Louvre, plongée dans mes pensées, et puis j'ai levé le nez. Tout me semble si... ordinaire. Cette rue, ces maisons d'où me parviennent les bruits familiers du repas qu'on prépare. Ces gens, même la lune qui se reflète dans le caniveau, baignée par la lumière bleue et terre des réverbères.
Je sais qu'il y a une divergence en cours, mais tout cela est-il prêt de changer? Et à quel point? Restez confiante, Lily. Pardonnez-moi, j'étais songeuse. Allons-y. C'est la nuit et je suis un peu désorientée. Ça m'arrive aussi, je vais dire ça parce que... L'orientation et moi... Auriez-vous un plan sous la main pour m'indiquer le temps de trajet à pied jusqu'à la rue Flamel? Mieux vaut ne pas se tromper, le signal s'affaiblira à mesure que je m'éloignerai du caisson de synchronisation. D'accord, je ne sais pas, je vais regarder sur Google Maps. C'est à ça que ça sert le 21e siècle, n'est-ce pas? Ça doit pas être bien loin, quoique... À pied... 12 minutes à pied, d'accord. À pied, 15-20 minutes. Très bien, je me mets en route. Je vous recontacterai lorsque je serai arrivée. Bon, bah on va peut-être s'arrêter là, au bout d'un moment. Voilà. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce jeu vachement sympa. J'ai bien envie de continuer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sinon je continuerai de mon côté. Hein. Mais voilà, je trouve ça sympa, vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Donc je me renseignerai sur le prix et je le marquerai sur la vidéo, parce que là, de tête, j'en ai aucune idée. Je vais éteindre le jeu, parce que je n'ai pas continué sans vous, si jamais vous voulez la suite. Franchement, je kiffe, je trouve le principe trop original. Et ouais, j'aime bien, là. Je me suis attachée à Lily un petit peu, ça y est, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une pote que je dois aider dans sa mission, enfin voilà, je kiffe, c'est trop stylé. Sur ce, moi je vous laisse ici, et puis bah ma foi, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a diverti. J'ai failli oublier, au moment où je tourne cette vidéo, on est 1000 sur Royaume des Histoires, et ça, c'est trop sympa, voilà, donc je vous remercie, et pour la peine, vous avez un bisou un peu plus gros que d'habitude. Allez, ciao.